while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy, watch a dame on any street in town. Watch that sound, each time you hear a loud collective sigh. They're making music to watch girls by. Watching them, watching back, that makes the world go round. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. La la la. Au moins les choses. Donc c'est quoi ce bain là? Le fucus. Ça bouge la graisse tout en raffermissant les chairs. C'est bon pour ce qu'on a. On a quoi? Bah 45 ans. Non, mais c'est un bain de bactéries. Quand je pense à tous ceux qui ont dû pisser dans ce truc aujourd'hui. Non, mais t'es folle. Personne pisse dans ses mains. Ah, mais c'est quoi ce gel là juste dessous? Ça me rentre dans la chatte, c'est nul. Bah non, c'est fait exprès. Oh, j'aime pas ça. Ah, moi j'aime bien. Ça me masse la chatte, ça me relaxe. Ça fait combien de temps que t'as pas baisé? Oh, arrête avec ça. J'ai d'autres priorités dans la vie que toujours les mecs, le cul, toi, y a vraiment que ça. Non, pas du tout. Je suis beaucoup plus complexe que ça. Ça, je te dis pas tout. Ah bon? Non, mais sérieusement. Si tu mets bout à bout toutes les nuits que t'as passées avec quelqu'un dans ton lit, t'arrives même pas à un an depuis que le père de Lolo est parti. Non, t'exagères, j'ai quand même eu des mecs dans ma vie. Bah, à peine. Non, mais t'as raison, c'est pas normal. Moi, j'aimerais me trouver un mec avec qui je pourrais partager des vrais moments de vie. Putain, dis pas des phrases pareilles, ça me donne envie de me flinguer. Bon, allez, j'en ai marre de me faire tripoter par de l'eau. Ça fait 2 semaines que je fais de la thalasso, j'ai pas perdu 1 kilo, j'en ai ras-le-bol. Moi, je reste pour faire un petit pipi. C'est immonde. Ah, j'en ai marre de ce temps. Il fait beau, il pleut, j'en ai ras-le-bol de cette région. C'est pas possible. Non, de toute façon, c'est la province. Hein. Mais n'importe quoi. C'est quoi cet attroupement? Oh mon Dieu, ils ont repêché un enfant noyé. Oh non, mais t'es vraiment dans un état pas possible. Je te jure, c'est horrible, je peux pas regarder ça. Mais non, mais c'est un ton. Et un beau ton d'ailleurs. Ah bah c'est Gérard et Jean-René. Tu les connais? Ouais, alors Gérard, il était marié avec Nicole. Et Jean-René, c'est le papa de Sabine, qui était dans la classe de Clémentine. Ouais. Il est divorcé lui aussi. C'est passionnant. Hé les gars! Hé oh hey, les gars! Tu vas voir, ils viennent en plus. Bah oui, évidemment qu'ils viennent. Quelle belle prise! T'as vu ça? Ça va? Toi. Salut Ariane, sa sœur. La parisienne. Voilà. Et Violette, son amie. Bonjour. Quel bouton! Ah pardon, je suis désolé. Mais quel con, putain, ma salopette! Mais ça a glissé, j'ai pas fait exprès. Oh je vais vous rembourser. Non, non, ça va, mais il faut que j'aille me changer maintenant. Putain, pardon pour le con, mais ça m'a surprise, là. Oh. Vous la connaissez, celle de la veuve qui passe devant une poissonnerie? Salut les copines! Elle est fine, vraiment, t'as la classe, Gérard. Excusez-le. Si, si, elle est très bonne. On est mortes de rire. Et vous allez le manger tout seul, ce thon? Ben non, justement, on va faire une petite soirée thon. Vous voulez venir? Ah non, le thon, c'est plein de mercure. Mais bon, c'est du bon gras, alors. Alors, si c'est du bon gras, on vient. Bon, bah, 9h chez Jean-René, tu as l'adresse? Oui. À ce soir. Salut. Ils sont célibataires tous les deux. Hein. Moi, je dis ça, pour vous, c'est une aubaine. Voilà, je supporte pas les mecs qui salissent ou abîment mes vêtements. Attends, ça t'arrive souvent? Ah ouais, il y en avait un, il foutait mes pulls en cachemire à 90 dans la machine à laver, après il niait. Je l'ai viré au 6e pull. Mais dis donc, c'est quand tu te prends un chat? Pourquoi? Non mais comme ça, tu peux commencer direct maintenant à t'habituer au reste de ta vie. Moi, je trouve que tu devrais te le faire, ce Jean-René, là. Ça va pas! Eh, il faut que tu baisses tes standards. Moi, je vais draguer Gérard, hein, le crétin, là. Notre grand-mère disait, plus ils sont cons, mieux ils baisent. Jean-René, je sais pas, parce que bon, il est très sympa, mais au cul, je crois que c'est pas ça. Pourquoi? Bah, Monique, son ex-femme, c'était sa première nana. Oh.
pratiquement vierge, ça, c'est pas trop excitant, hein. Mais enfin, au moins, il est sûrement propre. Pour toi, c'est parfait. Allez, vas-y, profites-en en vacances, un petit ramonage pour les toiles d'araignée. Ben, regarde, il parle, le petit ramoneur. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure. Salut. Le rouge, c'est un peu... Bon, c'est gay. Bah, moi, je trouve le rouge, c'est plus pour les jeunettes. Moi, je pense, après 40 ans, c'est mieux les imprimer. Et puis, ça cache les rouleaux. Les rouleaux? Ça, là. Ça a pas. Bah, vous vexez pas, hein. On a tout ça après 40 ans, c'est les hormones. Les hommes, ils aiment pas ça, les rouleaux. Ah oui, vous croyez que si vous avez un peu de gras à la taille, un homme qui vous aime, ça va le faire changer d'avis? Ah, il y a une étude qui a été faite en Allemagne. J'ai vu le documentaire sur Arte. Les hommes en ont marre des bimbos. Ils veulent des nanas qui bossent et qui ont des choses à dire. Ils s'en foutent des rouleaux. Ok, Angela. Bah écoute, choisis ta robe et puis on y va. Moi, je trouve que c'est mieux. Bon, je vais essayer. Je te dis, ma femme de ménage a la même. Mais non, elle est très bien. Ah, dis donc, je croyais que t'étais de gauche. Y a pas de honte à porter les vêtements du peuple. Non, mais elle a 65 balais. Ah, t'exploites une femme âgée en plus. Oh, putain. Oui, vas-y. Alors... Ça va ? Non, tout y est, hein. Les guirlandes, la toile cirée et la sangria. Ça me déprime, on se casse. Bois. Bon alors, il est où ton Bourville ? Je vois pas. On est peut-être arrivé trop tard. Il a dû trouver chaussures à son pied. Là. Je vais te le trouver parce que c'est un petit peu la soirée de la dernière chance. Après, c'est le retour à Paris, le boulot et les fins de soirée avec BFM. Non, mais je le vois pas, hein. Il est pas là. Ah, mais trop beau, fin. Ah, les chaussettes dans les sandales, il ferait rater une couvée de singe. Non, c'est pas possible, là, c'est off limit, hein. On dirait qu'il le fait exprès. Non, je m'en fous. J'y vais. C'est pas ta grand-mère qui disait, plus ils sont beaufs, mais ils baissent. Plus ils sont cons. Ah, bah, je t'exprime toute responsabilité. Bonsoir, Ariane. Ah, bonsoir, Gérard. Moi, bah, justement, je parlais de vous. Je suis très content de vous voir. Hein, Violette, hein, c'est ça, hein? Oui. Je peux en avoir un pas trop cuit? Oui. Encore navré, hein, pour cet après-midi. On m'avait encore jamais fait le coup du thon. Le coup du thon? Bah oui, comme plan de drague. Hein. Ah bah c'est un meilleur plan. Hein. Mais bon, je sais que je suis pas vraiment votre genre. C'est quoi mon genre? Ben, vous êtes la petite copine de d'Ariane, non? Ah bah oui, hein? Bien sûr. Et vous avez pensé au mariage maintenant que c'est possible? Ah non, 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 non. On est anti-mariage. On est des lesbiennes réac. Une espèce hyper rare. Hein? Ouais. Et vous, vous êtes mariée? Moi? Oh, mariée pendant 20 ans, divorcée il y a deux. Depuis, des petites histoires, pas le petit truc en plus, quoi. Je crois qu'avant, on appelait ça l'amour. Cette robe vous va à ravir. Ah, vous trouvez? J'étais pas sûre. Si, 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 avec votre silhouette, là, ça... Silhouette. Ça va passer du temps. Merci. En fait, je vous fais marcher. On est complètement hétéro. Ariane, moi, on est hétéro. Je suis confus, mais parce que Gérard... Non, mais c'est pas grave. C'est pas comme si j'y avais pas pensé à passer de l'autre côté, comme tout le monde. Non, moi non, non, pas comme tout le monde. Enfin, moi, j'ai rien contre les homosexuels. Hein. Ils sont tous très gentils. Ah non, 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 ils sont pas tous très gentils. Oui, enfin, non, je veux dire, chacun est libre. Enfin, je juge personne, quoi. C'est... Mais moi, non. Ok. Et Elisabeth m'a dit vous déménagez à Paris? Oui, dans un appart formidable. Ah, oui. Ouais, à Beaugrenelle. Un immeuble moderne et vu sur la tour Eiffel. À Beaugrenelle? Oui, les tours. Wow. Et vous êtes dans quoi? En informatique, spécialisée dans la finance. Ah. Et vous, vous êtes dans quelle branche? La mode. Ah. Je suis d'hier, directeur artistique de défilés, d'événements. Oh, ma fille Sabine, elle a, c'est dingue comme vous. Ah ouais? Ouais, elle a pensé à faire ça dans le créatif. Et puis, ah. En fait, non, parce qu'elle va faire business international à Londres, en fait. Ça. C'est, vous avez des enfants? Oui, j'ai un petit garçon, Éloi, adorable. Éloi, c'est joli. Ah! On m'appelle. Hello, darling. Yes, of course. Alors, sans mort, c'est un miracle. Non, ça va pas, non. On parle. Pourquoi tu m'as dit qu'elle était lesbienne? Non, mais je plaisantais.
Là, tu lui as demandé? Non, mais tu les cumules, toi. Hein. T'as l'air de lui plaire quand même. Hein. Non, non, elle parle anglais et tout. Je... Écoute, je m'y connais. Tu vois, là, par exemple, la tomate. Ah oui, elle me regarde. Ris pas, ne ris pas. Allez, vas-y. Je vais lui rapporter son ton. Vas-y. Moi, je peux te dire, j'écouterai plus jamais ma grand-mère. Hein. En fait, j'aime bien ce temps. Et puis, la thalasso, c'est vraiment bien. Dis donc, t'es de bonne humeur. Tu t'es acheté la robe rouge, tu te plains de rien. Ok, c'était si bien que ça. Quoi? Eh, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Non, non, mais c'était très bien. T'avais raison, j'en avais vraiment besoin. Et donc, tu le revois quand? Non, mais c'était juste une bonne nuit. Hein. Je vais même pas remettre ça. On part à Paris dans une semaine. Je vais lui dire, hein, c'était juste une nuit. Ou deux. T'inquiète, hein, je vais pas rencontrer qui que ce soit en 3 semaines. Tu sais pas, avec tous les mannequins. Hein. T'inquiète pour les mannequins. Fait quoi? J'ai cru qu'il allait se mettre à pleurer. Mais rien, rien de spécial. Mais vous avez fait quoi pendant une semaine? T'as complètement disparu, t'as même arrêté la thalasso. Il m'a léché. Hein? Mais pendant une semaine? Il a pas arrêté, il m'a même léché quand j'avais mes règles. Ah! Ah non, 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 mais pas le premier jour, à la toute fin, je saignais à peine. Ah bon, bah alors ça va. C'était une semaine idyllique. Ça m'a même fait flipper, je me suis dit, il va se passer un truc terrible, il a un cancer généralisé, il me l'a pas dit. Bah il a pas pu, hein? J'ai un cancer. Pour que je te dise de prendre. J'ai un cancer. J'ai un cancer. J'ai un cancer. Je vais mourir. Oh. Non, mais sérieusement, il est super gentil. Un peu naïf. Tu veux dire un peu crétin? Mais non. Naïf, c'est pas la même chose. J'en ai ras-le-bol de ces petits malins parisiens, ça se passe toujours mal. Là, je sais pas, j'ai l'impression que. Plus il pourrait s'entendre avec Éloi, mais il est dans l'informatique. Ah. Il était vachement fier de s'être trouvé un appart dans les tours de Beaugrenelle. Beaugrenelle, putain. Il est vraiment sensible, en fait, je crois. J'aimerais pas lui faire du mal. Mal à la langue? Ce sera embêtant. Ouais. Ah! C'est lui? Ah, c'est mon Lolo. Ah. J'attends des Alpes. Oui, oui, on est dans le train. Madame, il y a un signe, il n'y a pas dans le wagon le téléphone. Madame, elle parle avec son fils, il est tétraplégique. Oui, 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 oui. Non, mais je t'ai laissé un message, une petite histoire. Un mec de Biarritz, très sympa. Dis donc, t'aurais pu m'appeler, hein. J'étais hyper inquiète après le parapente. Hein. Parapente? Ben, vous n'avez pas vu le film Intouchable? Ils font tous du parapente, hein, maintenant, les tétraplégiques. Bon, pauvres, ils ont quand même le droit de s'amuser. D'accord, d'accord, oui, je lui dis, je lui dis, je lui dis. Je l'embrasse. Ça va? Ça va, très bien. Il n'a pas appelé une seule fois en 3 semaines, ça doit bien aller avec sa nana. Annabelle, c'est pareil, elle m'appelle que quand ça va pas. Ça va pas, je suis complètement dépressive. De toute façon, je mange plus rien, je suis anorexique. Mais c'est pas à cause de lui, c'est à cause de toi. Oh là là, en même temps, on est un peu là pour ça. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est chiant d'être mère. Ouais. Dans 2 semaines, j'ai la pub en Grèce, ça va être l'enfer. Le soleil, la mer, j'en ai ras-le-bol. Mais bon, l'agence veut vraiment faire le shooting sur une île. Ah, les îles. Tu m'écoutes? Ah, excuse-moi, j'ai un peu la tête ailleurs. Ah, mais c'est vrai, il arrive.
Tu vas aller le chercher? Non, non, il arrive en voiture. Je le laisse poser. Je le verrai ce week-end. Tu vas tenir 3 jours. Ça va, je suis pas un animal. Oh, je voudrais pas m'imposer. Moi non plus, t'es pas trop fatiguée du voyage? Ah, je suis mort. Ok. Par là, par là. Hein, attends. Je vois rien, je vois rien. C'est bon, là, c'est bon. Oh, merde! Oh, merde, ma côte! Mais Loulou, qu'est-ce que tu fous là? Et dans mon lit? Mais la télé, elle est plus dans ma chambre. Bah, je l'ai mis là parce que je la regarde le soir avant de dormir. Audrey m'a fait une crise. Je pensais rester 6 soirs, mais si ça gêne, c'est pas un problème, je me casse. Non, non, reste. Je te présente Jean, Éloi, mon fils. C'est Lolo. Ah, bonsoir, Éloi. Jean-René, très content de vous rencontrer. Jean-René? Oui. Enchanté. Je vous ai fait mal. Non, non, ça va juste un peu. Ça va? Bon, ben, bonne nuit. Au fait, j'ai pas trouvé la belle, et puis dans les e-riders. Regarde dans les oiseaux, je l'ai mis dans les oiseaux. Je m'attendais pas à un jeune homme comme ça. Ah, mais pour moi, c'est toujours mon petit garçon, tu sais comment c'est. On croit toujours qu'ils ont 5 ans. Ouais. Dis donc, je suis un peu inquiète, il avait l'air très triste, les yeux un peu gonflés, non? Je sais pas, c'est la première fois que je le vois, donc... Ah ouais. Mais la bœuf... Ah, mais c'est rien, il en fume un petit peu pour ses migraines, c'est rien. Ça te choque? Non, je sais ce que c'est, j'en ai fumé au lycée. Bon, on en était où? C'est libre. Ah, merci. Au fait, désolé pour hier soir. Elle m'avait texté que t'arrives cette semaine, mais j'ai zappé. Ouais, non, c'est moi, je suis tombé sur vous, c'est pas très formel comme présentation. Bon, t'inquiète, j'ai l'habitude. Bon, j'y retourne. Au revoir. Oh non, non, je t'aurais réveillé avant de partir. Mais il faut que je passe chez moi, là. J'ai pas mal de trucs à régler avant d'aller bosser. À bientôt. Ce soir, non? Ouais, ce soir. Ce sera moins mouvementé. Oh non, j'espère que ça le sera un peu quand même. Et la bise. Dis donc, t'aurais pu m'appeler hier pour me prévenir que tu restais là. C'était tellement le bordel avec Audrey. J'étais complètement hystérique. J'ai pas pensé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Tu sais, je veux pas de tes conseils de mère, ça me fatigue. Tu finis toujours par demander des détails. Ok, ok, lapin des Alpes. Maman, lapin des Alpes? J'ai 20 ans, arrête un peu. 19. Bon. Alors, comment tu le trouves? Qui? Bah, Jean. Jean-René? Arrête. Bon, comment tu le trouves?
Bah, tu l'as trouvé à Biarritz? Écoute, il est adorable. Je suis sûre que tu vas l'aimer quand tu le connaîtras mieux. C'est un cœur, ce mec. Oui, mais il a l'air gentil, hein, ça c'est sûr. Quoi, il est plouc? Bah, t'es pas aveugle. Il est hideux. De toute façon, ça va, c'est pas comme si vous alliez faire des mômes. Et là, évidemment, ce sera un désastre. C'est pas vrai, il est pas moche du tout, il s'habille mal, c'est tout. Oh, pardon, j'ai vu deux secondes. Mais j'aime bien ses oreilles. Ça me rappelle mon dessin animé préféré quand j'étais petit. Quoi? Dumbo. Oh, écoute, arrête, là, t'es méchant. Hein. Je sais que les jeunes, vous êtes intéressés que par le physique et les choses superficielles. Mais non, ça va, faut juste pas le mettre en contre-jour. Bon, arrête, il me plaît vraiment, moi. Ça va, j'ai compris. Il a pas que les oreilles de grande. Bon, j'arrête de te faire chier. Et il fait quoi? Il est dans la finance, il fait des programmes de finance, un business assez pointu. Cool. Il a du blé? Je sais pas. Bah, il y en a pas mal qui sont défenestrés en 2008, mais s'il est encore là, il a pas du tout perdre. C'est toujours avec ses cochonneries. C'est pour pas fumer. C'est bien, c'est bon pour ton asthme, mais pas maintenant. Laisse tomber. Oh. Mon petit loulou. Ah. Quoi, ça va pas? Non, je crois qu'il m'a enfoncé une côte hier. Merde. Non, mais ça va. Au fait, on va ensemble à la soirée McCoy ce soir? Oh, merde, je vais voir Jean. J'ai complètement oublié. Bah, tu peux le voir après. Ouais. Ou, je pourrais l'emmener. Enfin, ma mounette. Ton mec de Biarritz à McCoy. Ouais. Bon, mange tes œufs mouillettes. Espace ergonomique et eco-friendly, Wi-Fi dans chaque pièce, imprimante multifonction. En effet, le complexe Dwing du Crédit Rural de France, situé au cœur de la Défense, offre des lieux de travail à la pointe de la technologie. Les nombreux espaces de collaboration sont accueillants, avec un accès aux personnes à mobilité réduite et entièrement connectées au Wi-Fi. Sont également à votre disposition une agence bancaire, des boutiques, une conciergerie et une machine à café, thé, chocolat chaud et froid à chaque étage dans tous les bâtiments du complexe Dream du Crédit Rural de France. Ah ouais, ça va être beau. Hein. Mm. Mais quelle galère pour arriver jusqu'ici. Ah, on voit que tu viens de débarquer. Personne prend sa voiture, surtout avec la ligne A du RER. Hein. La voiture ici, c'est zinzin. Hein. En attendant, c'est ça nos bureaux. Bon, c'est temporaire, mais il faut dire qu'ils nous ont gâtés, hein, c'est spacieux. Inséparable. Mais comment vas-tu, ma chérie? Très bien, et toi? Ça fait un siècle. Ah, merci, t'es super. Bah, je suis en pleine forme. D'ailleurs, j'étais Qu'est-elle, avec... Qu'est-ce que t'as su mon book? Non, pas du tout. Je viens de faire une total digital detox. Je suis en plein changement de style, hein, moi. Ah oui, écoute, c'est absolument génial. Tu devrais y jeter un coup d'œil. Après, il sera tout simplement inabordable. Accorde-toi, chérie. Hi, Steven. Allô? Oui, Violette? Mon chéri, allô? Mal, oui, on se voit toujours ce soir, hein? Oui, oui, oui. Non, mais je te rappelle d'un endroit plus calme. Allô? À tout de suite. Ouais. Tu vas où? Tu te casses? Ah, non, je dois rappeler Jean, mais... Steinberg vient d'arriver. Il a une méga galerie à Londres. Tu le connais un peu? Tu peux me le présenter au moins? Bah oui, bien, rapide alors. This is my son, Eloi. Hello. He's an amazing artist. Yes, I am. Jean, écoute, excuse-moi, j'ai pas pu te rappeler tout de suite. J'étais coincée avec quelque chose, mais là, je rentre, donc rappelle-moi. D'accord? Je t'embrasse. Jean, c'est moi, je vais dormir, mais si tu veux, appelle-moi à n'importe quelle heure. Ah!
hallucination, c'est un phénomène bien réel. La preuve, on prouve. J'ai envoyé plein de textes, j'étais tellement inquiète. Donc tu m'en veux pas pour hier soir? Mais non, bien sûr que non, je t'en veux pas. Mais je comprends, c'est moi, je me suis endormie sur mon téléphone. Bon, tant mieux. Je vais faire un petit dîner ce soir, tu veux venir? Ah bah oui, super. Ok, bah à 8h alors, à ce soir. 8h c'est parfait, je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Ça va, mon lapin, bien dormi? Ouais, ça va. Dis donc, t'as mis la télé dans le salon? Ouais. Mais vu que ça va pas s'arranger tout de suite avec Audrey, je me suis dit que... Oh, mince. Ça te dérange pas si je reste un peu ici le temps que ça dégalère? Non, au contraire. Merci, Mamounette. Dis donc, j'aimerais bien faire un dîner ce soir avec Jean. T'es libre? Qui? Bah, Jean-René. Ah, JR. Ouais, non, je suis libre comme l'air. Non, mais comme ça, vous faites vraiment connaissance, ça t'emmerde pas? Non, tu plaisantes. Anytime. Bon, super. Dis donc, ton cum, fais gaffe à pas leur recevoir de texto parano. C'est le genre de truc qui fait fuir les mecs. Croisons mon expérience. Non, ça va. Hey, monsieur, votre ticket, là. Oh, là. Bon, bah allez, c'est passé. Poulet au citron. Puis il fait ton tube. Tu crois qu'il va aimer? Non, il va adorer. La première fois. C'est au bout de la 100e fois qu'il a commencé à se lasser. Tu fais croire que tu vas t'occuper de lui, que ce qui attend ce pauvre homme, c'est une suite ininterrompue de plats picards. T'exagères, hein. Je fais aussi les œufs à la coque, les salades. Et puis il est jamais trop tard pour apprendre. Tu m'as toujours connue comme ça, mais je suis un tournant de ma vie. J'ai 40 ans et je mûris. Voilà, je passe à un autre stade. 45 dans 2 mois, maman. Eh ben, si en 2015, mûrir pour une meuf, ça veut dire faire la bouffe pour son mec, les féministes ont eu raison de se battre. Tu comprends rien, c'est normal, t'es jeune. Oh, tout de suite. Je plaisante. Frère, moi, Picard, c'est une deuxième mère pour moi. Ouais, lève-toi de là. Tu me promets d'être gentille avec lui. Hein. Qu'est-ce que t'es chic! Ouais, je voulais pas arriver n'importe comment pour le dîner de présentation officiel. La classe! Mettez-vous au salon. Ça va? Vous voulez boire quoi? Oh ben, je sais pas, comme toi. Une bière. Alors, Paris, ça te plaît? Oui. Enfin, je suis venu souvent avant, mais d'y habiter, c'est autre chose, quoi. Se réveiller, merci. S'endormir et se réveiller avec la tour Eiffel dans l'encadrement de la fenêtre, c'est incroyable. Mmh. C'est étonnant, là. C'est quoi toutes ces peintures, là, par terre? Mon fils est un artiste très talentueux. C'est toi qui peins? Ouais, je travaille sur un nouveau concept. Auto-biographique. Ça te plaît? Ouais, beaucoup. Non, merci. C'est... Oui. J'aime bien l'oiseau dans le ciel, là. C'est magnifique. Non, c'est une tâche. D'accord. C'est vrai que je suis pas très objective, mais mon fils, c'est le futur de l'humanité. Donc, t'es dans la finance? Oui, enfin, techniquement, non. J'ai vendu un système informatique au Crédit Rural de France. Un logiciel révolutionnaire de trading haute fréquence qui permet de passer des ordres plus vite que les autres. Quelques microsecondes, hein. Mais c'est ultra stratégique dans le milieu. Vachement intéressant.
fait 2 ans déjà que je me suis mis en mode no life pour terminer mon programme. Au départ, c'était pour un organisme financier à Bordeaux. Et puis, ça a fait tellement de bruit que je l'adapte à grande échelle pour le CRDF. Et comment il marche, ce logiciel ? Ah, écoute, c'est simple. Je suis parti du code source d'un vieux logiciel open source. Et en l'optimisant et en ajoutant les bonnes lignes de code à ma sauce... Ça s'adapte ? Avant de l'adapter et de pouvoir le mettre en prod, les analystes et la direction des systèmes d'information recensent et documentent chaque fonctionnalité que veut la banque. C'est là que c'est intéressant. Ouais, si tu prends, comment se passe bien le Sonicoon ? J'ai un contrat de 3 ans avec la banque. Mais il en est où, ton logiciel ? J'ai pas le droit de t'en parler, c'est contractuel. Top, c'est quand quel problème ? Ça t'intéresse vachement. Hein ? Moi, j'aime beaucoup la finance. C'est la sécurité du système qui demande les mises au point de dernière minute. J'ai même développé des briques spécifiques qui s'adaptent aux besoins du client. On appelle ça du plugin. Bon, c'est passionnant, les amoureux, mais moi, j'y vais. Lui m'attend en bas. Bon. Salut. Bah, salut. Lolo. Ça va ? Ouais. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça va, c'est la côte. Oh mince, encore ? Tu veux voir Docteur Guillaume demain ? Non, ça va. Ça s'est bien passé, le dîner. Ouais. Je t'avoue, je me suis un peu fait chier. Ah bon ? Bah, en même temps, faut t'habituer, hein, c'est son boulot. Ouais. Attends, bon. Moi, je le trouve très cool. Bon, allez, amusez-vous bien. Ouais, ouais, toi aussi. Putain, il craint comme que c'est pécho. C'est ouf. Moi, déjà, un mec qui s'appelle Jean-René, je peux même pas lui serrer la main. Elle a un D, le mec. Un D ? Ouais, catégorie D. Dernière catégorie, dégage tout de suite. Les A, il y en a pas. Les B, super rare, mon rep. Puis le reste, des C. Et surtout des D. Des ringards absolus. Putain, qu'est-ce qu'il est chum. Là, il a aucun style. Oh, D, t'es même sympa. Ouais, c'est un geek comme toi. Non. Lui, c'est un informaticien. Pas un geek, nuance. Ah, je sais pas qu'aurait fait ma mère quand même. Bon, là, je vois un peu plus trop choisir. Les mecs pas maqués, c'est des connards. Et les autres, c'est récup, anciennement maqués, donc fauché, car avec ça tout piqué. Ouais, mais le timing est mauvais. Tu te fais têche par ta meuf, et tu débarques chez ta reine en pleine lune de miel. C'est dingue, c'est un super timing. C'est super tough, les mannequins, les défilés. Si un moment dans l'année où je baigne sur Playing de Maronne, c'est pas la Fashion Week. Tu vas me faire croire que les mannequins te calculent. Grave. Regarde-moi. C'est pas parce qu'on est potes que j'ai arrêté de ta gueule. Ouais. Si tu veux. Mais là, ta rhum, elle va aller à toutes les fêtes avec son nouveau chien. T'inquiète, j'ai la situation en main. Tu connais l'expression PPH ? Passera pas l'hiver. Ouais. Mais là, c'est PPA. Passera pas l'automne. Fais-moi confiance. Une semaine. Quel petit glouton. Allez au dodo. Et hop. Oh, pleure pas, mon chaton. C'est sympa d'aider ma mère à ranger son appart. Les peintures, c'est fait pour être accrochées au mur, non? Maman, qu'est-ce que tu fais? Je tiens les vis. Ah, c'est bien. T'as vu, Lolo, ton premier tableau? C'est beau, hein? Joli. On en accroche un autre? Ben, celui-là, là. Allez. Allons-y. Quelle belle journée. But this is white. Yes, but the designer said as white as possible. Okay, can you go any whiter? She looks great. No, this is kabuki. This is white, white, white. Okay, just do something. Gosh, this is a disaster.
Bon, Paco, on a un problème d'harmonie couleur. Ouais, on a que 45 minutes. Ouais, bah d'accord, on change les gels, on essaie comme ça, on a 15 minutes pour voir si ça marche. 15 minutes! Ok. Allez, viens. Merci. Ça va toujours avec machin? Ouais, on n'arrête pas de se voir. Ah, bah dis donc, pour un coup d'un soir, il s'incruste. Bah ouais, tu vois, au final, on est vachement complémentaires. Oh bah c'est sûr, hein. Une clitoridienne avec un lécheur, c'est complémentaire. Évidemment, toi, t'es vaginale, tu peux pas comprendre ses subtilités. C'est sûr que moi, j'ai pas besoin d'attendre tous les 10 ans un altruiste pour m'amuser un peu. Ah tiens, en parlant de vaginale, c'est demain, finalement, que je pars en Grèce pour le shooting. Et du coup, je pourrais pas venir avec toi à la soirée caritative. Oh merde. Tu vas y aller, ton mec? Ouais. Lolo va même l'aider demain pour trouver des fringues. Lolo va l'aider? Hein? Ils s'entendent hyper bien. Ils arrêtent pas de parler de trucs d'ordi, j'y comprends rien, mais ils ont l'air passionnés, alors. C'est pas à moi, ça? Non. Si, si, c'est à moi. Non, t'es tout le temps en train de piquer dans mes plats, c'est insupportable. Oh, qu'est-ce que t'es méchante! J'en mets la vue sur la Tour Eiffel. Ouais, bon, c'est une vue partielle, mais bon, c'est déjà ça. C'est ta fille, ça, elle est jolie. Sabine, ah bah tiens, vous avez le même âge. Ah ouais? Ah, regarde. Non? Non, t'as pas autre chose? Tu sais quoi, je suis pas sûr d'avoir envie d'aller à cette soirée vendredi. C'est pas mon monde, je connais personne, je serais pas très à l'aise. Arrête, Gir. D'abord, tu me connais moi et ça suffit largement. Et puis justement, si elle t'a demandé de venir, c'est que c'est important pour elle. Tu crois? Bien sûr. Tu sais, je suis vraiment content que vous soyez ensemble. Ça m'enlève un poids. Ces dernières années, elle a tellement galéré avec les mecs, ils se barrent tous. Et pour une femme de son âge, c'est pas évident, donc... Tu vois, je compte vraiment sur toi. Ah non, mais tu peux. Donc j'ai vu une veste beige dans l'entrée, t'es pas mal, non? Oui, c'est... Mmh. Oui, je vais chercher. Tiens, regarde. Non. On va faire un peu de shopping? Ah bah ouais, tiens. Ouais. Ah, super. Quoi? Ils ont des caméras Velman en Wi-Fi cachées dans les coins, c'est un truc dedans. Ils doivent avoir une baie de stockage de plusieurs pétaoctets pour obtenir une rétention de plusieurs mois. Pour un musée, c'est incroyable. Ils sont à la pointe. Hein. C'est normal, c'est Beaubourg, c'est pas le musée de la marine à Quimper. Pardon. Cet homme fut choisi entre mille. T'arrêtes pas de te gratter depuis qu'on est rentré dans l'expo? T'es allergique à l'art ou quoi? Ça a commencé dans le métro. Fais voir. Hein. Oh, mais t'es tout rouge. Mais c'est de l'eczéma? Mais non, j'en ai jamais fait. Mais ça me gratte vraiment partout là. Ah. Écoute, je vais appeler quelqu'un qui s'y connaît en maladie de peau. Mais... Ok, je reviens tout de suite. Le choc était trop fort. Après avoir ainsi projeté. Oui, c'est moi, je te dérange? J'ai une question, toi qui t'y connais en maladie vénérienne. Ah bah oui, bien sûr, c'est ma spécialité. Écoute, est-ce que je peux te rappeler là, parce que je suis un petit peu occupée? Non, non, c'est une urgence. Jean a une éruption cutanée sur tout le corps, purulente. Bah c'est alimentaire. Même au zizi. Ah. Tu vois, tu m'avais dit qu'il était propre. Tu crois que c'est le sida? Oh, tu vas pas recommencer. Ça fait 25 ans que tu nous fais chier avec ça. Tu vas pas encore appeler Sida Info Service pour leur demander si ça s'attrape en faisant des pipes? Bon, écoute, garde ton calme, hein. Calme-toi, je suis sûre à 100% que c'est pas ça. Mais alors c'est quoi? Je sais pas. Juste... Te frotte pas à lui cette nuit, hein. Allez, je t'embrasse. Des baisers. Everything all right? Yes.
My best friend. She's a hypochondriac, you know? It's a Greek word. Oh my God. Everything is Greek. But your smile. Your smile is so French. Holy Greek. C'est très intéressant, là, ce film. C'est le ciné-roman, c'est ça? Oui. Si tu devrais voir un médecin demain, j'en connais un très bien, c'est même un ami. C'est peut-être un virus. Moi aussi, je me sens pas. Enfin, je suis un peu patraque, là. Moi, j'espère que je te l'ai pas refilé. Refilé quoi? Je sais pas, le virus qui me gratte. Hein. Enfin, si ça s'attrape, si c'est même un virus. Hein. Écoute, ça va pas. Je crois qu'il faut que je me couche tôt. Ça t'ennuie si je dors seule ce soir? Je suis ballonnée. Non, mais on n'a même pas dîné. Non, mais ça va pas, alors. Je suis mal. J'essaie d'être équitable, mais c'est pas évident, il y en a tellement. Je trouve ça idiot. Non, c'est juste que je les vois plus. Bon, ben, bonne soirée alors. Ah, ok. Ouais. À demain. À demain. Il s'appelle. Oui. Une nécessité singulière. Ce paradoxe, d'ailleurs, propre à l'improvisation. C'est beau. Ça va? Ça me gratte partout et Jean aussi. Ah bon? Enfin, t'as pas 12 ans, tu te protèges quand même. Tu sais bien que le Sud-Ouest, c'est là où il y a le plus de clubs échangistes. Ah bon? Bah, bien sûr. Club échangiste. Les libertins du foie gras. Or, oh. Je vois rien de particulier. Vous avez été à la campagne récemment? Non. Vous êtes de la campagne, non? Non, j'arrive de Biarritz. Bah oui, d'accord. Moi, je pense que c'est changement d'environnement. Vous étiez au bon air, là vous arrivez dans le bassin parisien, c'est très pollué, vous supportez pas. Ça peut être aussi des poussières dans votre appartement. Vous êtes dans quel genre d'immeuble? À Beaugrenelle, les tours. Construisez avec n'importe quoi à cette époque. Lavez tous vos vêtements et faites nettoyer à fond votre appartement. En tout cas, c'est uniquement cutané. Violette n'a pas à s'inquiéter. Elle m'a appelé pour vous prescrire quelques tests quand même, mais... Des tests? Oui, il y a un petit labo à deux pas, ils vont vous prendre tout de suite. Prélèvement urétral. HIV1, HIV2, blénorragie, herpès simplex 1 et 2, hépatite B, C, chlamydia, trichomonas, syphilis, chancre mou. Non, vous plaisantez, là. Ah, et le HPV. C'est nouveau, ça. C'est nouveau. Le fameux cancer de la pipe et du cunnilingus. Vous savez, Michael Douglas. C'est un acteur. Ah oui. 40 000 pour les couverts, c'est pas possible. Bon, bah, on enlève les chandeliers? Ah non, hors de question. Ok, je vais trouver une autre solution. Ça va, mon chaton? Oh, je suis vraiment à la ramasse. J'ai oublié mon portable et j'ai claqué la porte. Les clés sont dans mon jean. Tu me files les tiennes? Ah oh, bah oui, bien sûr. Récupère vite ton téléphone, hein. Tu sais, j'aime pas ça quand je peux pas te joindre. Ouais. Lulu, ça va? Dis donc, t'as vachement minci. Hein. Merci. Bon, vos baskets. Je suis son fitness trainer. Dis donc, j'ai un peu déconné avec Jean-René. Quoi encore? Tu sais, avec ma peur des maladies. Ah, tu lui as fait le coup des tests? Bah écoute, je sais pas, Mamounette, rattrape-toi. Va chercher à son taf pour déjeuner. Ça va égayer sa journée. C'est une bonne idée, ouais. Eh bien. Je sais même pas où c'est. Hé hey. Hé, hey, passe. Non. Vas-y, passe, j'attaque. Attends, tu donnes j'attaque. Même pas. Ouais, viens, on s'engueule une petite. T'as ton fun? Mais t'as pas dit à ta rame que tu l'avais pas? C'est une ruse. Comme ça, elle me file ses clés. Et soir, pas de clés, dort chez son cum. J'en ai marre de les entendre gémir toute la nuit. Tu me connais, je suis un mec hyper tolérant, mais là, ça dépasse les bornes du supportable.
Je me sens plus chez moi, quoi. Putain. T'as raison, le mec, il abuse, là. Ouais. En plus, elle va le chercher à son boulot, elle va paniquer. Elle va pas niquer. Voilà, bravo, hein. Vu le niveau de votre GPS, j'aurais plus vite fait à pied. Hein. Merci pour la visite de Nanterre. C'est ça, merci. J'ai fait tous tes tests, là. Mais t'avais oublié Ebola. C'est pas une MST. Bonjour. Plat du jour, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est que c'était tellement difficile avec le père des lois qui me trompait, puis tous ces mecs de passage branchés autour de moi, tout le monde couche avec tout le monde. J'ai beaucoup de mal à faire confiance. Merci. Madame ? Des haricots verts. Violette, je suis restée avec ma femme pendant plus de 20 ans et j'étais fidèle. Et les preuves échangissent. Mais quoi ? Rien. Merci. Et depuis ? Mais depuis, pas grand-chose. Ah. Je suis vraiment désolée pour les tests. C'était rien, juste une prise de sang, puis un petit coton-tige dans l'urètre. Oh, ça a dû faire mal. Une horreur. Je suis désolée. T'es un peu frappadingue, mais je suis bien avec toi. C'est vrai? Tu sais, il y a quelques années, j'ai failli y passer. Ah bon ? Pas une maladie contagieuse, un accident. Ah. Un accident ? Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'aime pas trop en parler, mais depuis, je relativise. Tu dis c'est mieux d'être avec moi que d'être dans le coma ? Ouais. J'hésite. Et pas grand-chose depuis 2 ans, c'était avec ou sans capote ? Enfin... C'était une bague. Ouais, j'espère bien. Mais c'était sans, sinon sans capote, évidemment. Non, non, non. Les mises. Tu veux dire Les Misérables ? Oui. C'est cool, Lino, tu t'y connais vachement en littérature française. Victor Hugo, c'est hyper pointu. What ? Oh merde, elle a récupéré le double des clés chez Paulette. Is everything okay ? No, there's a problem. We can't go at my place tonight. Where are you staying ? At a small hotel in the 15th. Vous avez fait cette sauce, vous allez acheter un beau poulet. Ce qui est important, c'est la texture, la fermeté. Vous voyez, ici, il est ferme, il me parle, il y a une vibration personnelle. On a une relation, on est connecté avec l'animal. Hein, bien que moi, je sois vivant et lui, décédé, bien sûr. Ne vous laissez pas impressionner. Hein, ça n'est qu'un poulet, vous le mettez en entier dans la sauteuse. Et puis, pendant ce temps-là, vous avez tout le temps de couper vos légumes pour préparer la piperade. Qui est la garniture. J'arrive. C'est Violette, c'est gentil. Mmh. Ça sent bon. Ah, mais j'ai fait un poulet basquez. Je pensais que ça te ferait plaisir après ta dure journée de travail. Je suis pas vraiment basque, mais c'est mon plat préféré. Et si tu le fais aussi bien que chez Jojo à Saint-Jean-de-Luz, je t'épouse. Mmh. Mmh. T'as invité quelqu'un ? Mais non, c'est l'application iPad, les recettes du Sud-Ouest de Bec BD. Hein. Oh, qu'est-ce que t'es snob. T'aimes pas ? J'adore. Que préalablement, vous êtes lui-même bien fourré avec un oignon de grosse taille. Ça va, vieux ? Hey, je peux pas te parler, là. Je fais une soirée caritative pour les sans-abri organisée par Violette, avec plein de vedettes. Ouais. Ah, tiens, il y a l'autre, là. Merde, comment il s'appelle, déjà ? Ah non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui. Ouais. Bien sûr, il y a des jolies filles. Ouais. Figure pas que ça se passe dans le métro. Attends, attends, je te laisse, il y a Lolo. Lolo ? Lolo ? Lolo ? Bah, Lolo ? Où ? Thank you.
je vais te présenter Karl. Jean, mon ami. Je suis très heureux de vous rencontrer. Moi aussi, je suis ravi. J'ai beaucoup d'admiration pour votre travail. C'est gentil, merci. Et je suis de près vos collections. Et c'est très saillant. Si vous les deux, espérons. Oui, ça va. Jean vient d'emménager à Paris. Et Karl, merci d'être là encore. Vraiment, c'est non, vraiment... je suis ravi. Qui ne viendrait pas pour vous? Ah, bravo pour le numéro 5, ça sent très bon. Je suis pour rien, ça existait avant moi. Oui, oui, mais je pense que ça n'aurait pas cette renommée internationale sans vous et sans Marilyn Monroe. Bon, Jean, il a besoin de parler à d'autres gens. Ah, pardon, c'est pas grave, on a un petit problème. Ça peut pas attendre, là Non, c'est une emergency. Non, mais vas-y, je peux me laisser tout seul 5 minutes, y a pas de problème. Moi, j'ai pas été trop coincé, là, avec Karl. Coincé, non. Mais écoute, non, tout allait bien. Va au bar, je reviens, d'accord? Ouais. Mais ça peut pas attendre. Lolo, c'est quoi ce perfecto ridicule que tu lui as trouvé Je suis pour rien, c'est lui qui a choisi. Bon, écoute, va t'occuper de lui 5 minutes, j'ai un truc à régler, très important. Alors, JR, ça va? Ah, Lolo, j'ai fait signe tout à l'heure, tu m'as pas vu. Non. Salut. Santé. Bon, tu vois, c'est relax, hein, t'avais peur. Oh, génial. Ta mère m'a présenté Karl Lagerfeld. Ah, Carlito. Je lui ai parlé. Ah bon? Bah, va faire un selfie avec lui. Non, tu crois? C'est ta fille. Ça sera vachement impressionné. Non, j'ose pas. Donne-moi un coup, ça va te détendre. Ah, Francesca, tiens, je te laisse. Oui. Bon, allez, merci. Non mais Violette, pardon, sérieux, c'est quoi ton mec là? Écoute, oui, je sais, pas après. Regarde. Quoi? Mais non. Bon, ça suffit. Mon Dieu, mais moi, c'est hyper beau. Il m'a sauvé la vie avec sa bite. Bon, on trouve cet électricien, j'ai pas que ça à foutre, quoi. Elles sont jolies. Je... €8,000 en chair validée. C'est pour les offreurs, hein, Violette. Ah bah oui, c'est mieux que par... C'est pour ma... Oui, ma fille. Qu'est-ce qu'on dit? Bonsoir. C'est génial. Merci. Elle est floue. Merci beaucoup, Karl. Allez, la bise. On y va. Attends, Carlito! Jean, tu ronfles. J'ai un boulot monstre demain. Mets-toi sur le côté. Allez. Sur le côté. Oh ! Merde. Oh ! Excuse me. Oui ? Je te dérange pas ? Bah... Ah non, écoute, je crois que je suis pas faite pour la vie à deux. Jean est bourré, il ronfle. Je croyais que tu voulais partager des vrais moments de vie. Mais là, j'arrive pas à dormir, alors j'ai essayé de me masturber, mais j'y arrive même pas. Ah. Oh là là, je crois qu'il vient de vomir. Il vomit, tu te masturbes, c'est super rock'n'roll, hein, ton truc. Bon, je te laisse. Ariane ? Oh. Salope.
Violette ? JR ? Eh ben, tu commences mal le week-end. Tu veux un médoc ? Non, ça va. Je n'utilise plus jamais de champagne. C'est joli, cette plage. C'est où ? C'est une épaule. Hein ? Je voudrais mouler un coup de droit. T'auras un moment ? C'est quoi, mouler un coup de droit ? C'est une surprise pour maman, pour ma nouvelle expo. Tu diras rien. Hein ? C'est encore long, là ? La bande. Ensuite, on laisse un peu sécher, c'est bon. Non, qu'est-ce que tu restes là et tu dis rien. Ok. Jean. Quoi? Ah Lolo, t'es là. Oh là là, j'ai oublié mon carnet avec toutes mes notes. Je t'ai envoyé des tonnes de textos, tu réponds pas. Je t'ai demandé si tu pouvais me l'emmener, je l'avais laissé là ce matin. Je sais pas où il est, je peux rien faire sans ce carnet. Non, c'est parce que j'étais occupée. C'était pas possible hier soir. Mais quoi? Mais Jean-René, il a fait des conneries toute la soirée, t'as même pas remarqué, il était complètement bourré. J'ai parlé à un assistant de Karl. Je suis pas sûre de faire le prochain défilé. Quoi? Tu déconnes? Je suis furax. Je sais pas ce qui m'a pris avec ce mec de croire qu'il pourrait fit in juste parce qu'il est gentil avec une grosse bite, mais la réalité c'est que c'est un pauvre de Biarritz, quoi. Non, maman, t'exagères. Il était tellement ringard. Avec son perfecto tout étriqué, on aurait dit Johnny Hallyday ou le cocker de Johnny Hallyday, je sais pas, c'était tellement ric. Le pauvre de Biarritz, il t'emmerde. Mais Lolo, t'aurais pas pu dire qu'il était là, enfin. Oh merde, maintenant c'est de ma faute. Jean. Ah, t'es désolé, ah bah oui, bon alors c'est bon. Mais non, tu m'en veux plus. Non, je suis juste un bon con avec une grosse bite et des goûts de chiottes. C'est ton fils qui m'a conseillé pour le perfecto. Ah, mêle pas Lolo à tout ça. Ah, évidemment, Lolo l'intouchable, hein. Et moi, je suis quoi? Moi, je suis un chien qui doit t'attendre jusqu'à 2h du mat pendant que t'es à tes fêtes de bobo. Mais tu vois que le négatif, j'ai dit que t'étais gentil. Ah oui. Et une grosse bite, c'est pas un défaut, c'est même un compliment. Ah bah oui, vu comme ça, mais tu me prends pour qui? Mais t'es qui, toi, d'abord, hein? Une nana de 45 balais obligée d'aller à Biarritz pour se trouver un ringard. Écoute, c'est pas ce que je voulais dire, je comprends que tu m'en fais, mais je t'en supplie, sois pas méchant avec moi. Quoi? Moi, je suis méchant parce que j'ai dit 45 ans, mais tu sais quoi? Je veux plus te voir. Écoute, je suis dans un métier de con. Les gens sont jugés sur leur apparence, tout le monde est jeune, beau. Ah bah, tu dois faire tâche, alors, avec ton gros cul. Oh. Ah. Son petit carnet. Hop. T'as mal? Oui, j'ai mal. Tadam! T'as mal? Oui, je suis blessé, au propre comme au figuré. Monsieur Brave, madame. Mon nom, c'est Bravet, avec un S, c'est compris? Bien, monsieur Bravet. Ben, c'est toujours cassé. Mais c'était pas cassé, c'est cassé maintenant? Ah oui, là, c'est une fracture du radius droit. Oui. Putain. Ben, vous aviez déjà un plâtre, donc vous savez que votre bras était cassé. Non, il n'était pas cassé. J'étais en train de poser pour une œuvre d'art. Mais alors, si on vous remet un plâtre, vous allez le recasser. C'est une sorte de happening, c'est ça? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qu'il raconte, là? Qu'est-ce que vous racontez? On casse, c'est du happening. Merci pour la soupe, mais je suis pas malade, j'ai le bras cassé. Non, mais c'est bon, maintenant, je peux me débrouiller tout seul. Ah, oh. Ah merde! Tiens, tu sais pas te servir de ta main gauche, je le savais déjà. Ah, vas-y. Arrête, hein. Arrête! Arrête, t'es con! Jean, c'est trop sinistre ici. Mais c'est pas très gai, mais bon, c'est pratique. Il y a la vue sur la tour Eiffel. Tu t'es fait avoir. Oui, je sais. Écoute, j'ai jamais dit ça à personne, mais tu veux venir habiter chez moi? Quelque temps. En fait, tu l'aimes, ton beauf de Biarritz avec une grosse bite. Hein?
Et toi, ta conne parisienne avec un gros cul. T'as oublié de rallumer ton téléphone, ça va? Je t'inquiète. Mais il est pas un peu tôt, là? Voilà, je suis trop contente que tu sois rentrée. Bon, ben rentre. Écoute, ça va pas. Ah bon? Pourquoi? Écoute, j'ai fait une connerie. J'ai dit à Jean-René d'emménager chez moi. Et donc? Bah, il vient avec ses cartons et je flippe complètement, je sais pas quoi faire. Ah oui, passionnante ta vie, hein, vraiment. Tu veux du café? Non, non, ça me donne de la tachycardie. Mais qu'est-ce que t'es névrosée, ma pauvre, même quand tu t'en prends plein la chatte. Hein. Dans ton boulot, hein, t'assures comme une bête, hein, mais dans la vie, t'es une vraie nunuche. Tu devrais être en train de te taper des minets de 25 ans et t'es là à prendre sous ton toit des éclopés qui te refont la moquette avec les spaghettis de la veille. Faut que tu te ressaisisses, franchement. Je sais, en plus, j'en ai marre. Je suis trop grosse pour bosser dans la mode. Ah, je sais pas, il arrive avec ses cartons, Lolo est toujours là. Eh ben, viens-le. Qui? Bah, Lolo. Ça va pas, je peux pas lui faire ça. Hein. Mais tu plaisantes, hein. Il y en a rien à foutre. Il est comme ma fille, ils en ont rien à foutre de nous. Il est autiste, ils sont tous autistes à cet âge-là. Viens-le, tu le rendras service. Vous croyez? Bon, tu bois pas de café, moi j'ai que ça ici. T'as même pas tes verres? Non. Allez, on se retrouve demain pour le shooting quartier, d'accord? Ouais, non, je peux pas, je peux pas le virer. Mais si, tu peux. Ah! Hello, bonjour. Hello. Violette. Ah, Violette, yes. I'm Sakis. Of course. Nice, nice to meet you. Coffee and cigarette. Mais tu l'as ramené? Eh ben oui, tu m'as inspiré avec ton Jean-René. Ça s'importe en fait, les mecs. Hein? Bon, allez, à demain. Rentre bien, t'en fais pas. Bon, on va se faire un truc à quatre. Enfin, ouais. Un truc, on va manger à tous les quatre. Ouais, ouais. Non, mais pas un truc, hein, s'il te plaît. Pas tout de suite. Écoute, Lolo, il faudrait. Eh? Mais tu vois, il était là, le carnet que t'as cherché pendant des heures. T'es tellement bordé. Merci, mon chéri. De rien, maman. Écoute, je voulais te dire, c'est un peu à cause de toi que Jean s'est cassé le bras. Pourquoi tu l'avais plâtré comme ça? Maman, je voulais mouler son coude pour te faire une surprise. La galerie Keller prend ma nouvelle expo, Trauma. La galerie Keller? Oh, c'est génial! Bravo, mon chaton, je suis tellement fière. Puis dis donc, tu pourrais inviter Audrey au vernissage, comme ça vous pourriez vous rabibocher. Non, Audrey, c'est mort. Mort. Toi et moi, on est comme deux orphelins maintenant. Quoi? Au fait, Jean, là, je peux pas le laisser tout seul. Quoi, mais après ce que t'as dit, t'as pardonné? Oui. Enfin, il va venir habiter ici quelque temps, comme ça je pourrais m'occuper de lui. Comment ça, quelques temps? Combien de temps? Ben, quelques temps. Enfin, je sais pas, en tout cas, il lâche son appart, il y a des poussières, il est allergique. Mais t'es sûr? Vous avez rien en commun? Vous avez parlé de quoi dans 3 mois? Je sais pas, on a quand même des trucs en commun. Déjà, on s'entend bien, et puis, si on n'a pas assez en commun, je sais pas, on fera un enfant, comme ça, on aura vraiment quelque chose en commun. Maman, mais enfin, t'es folle, à ton âge? Tu vas avoir un Mongolien. Des fois, je suis pas sûre que tu veuilles mon bien. Tu dis de ces trucs? Oh, ça va. Écoute, je pense que ce serait une bonne idée si tu trouvais un endroit pour faire tes peintures, tes sculptures. Ça devient vraiment envahissant. Et puis, ça sent fort, les produits que tu utilises. Tu sais, tu devrais faire gaffe, hein, parce qu'avec toutes ces résines, c'est très nocif. Nikita Zinfal, elle est morte de ça. Ouais, non, mais t'as raison. Écoute, Lulu a une chambre de bonne au-dessus de chez ses vieux. Il s'en sert jamais. Ça peut me servir d'atelier. Ah, très bien. Et je peux aussi aller crêcher chez lui, ça t'arrange? Bah pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée, ça. Enfin, c'est... Parfait. Non, mais je pouvais pas te laisser faire ça tout seul. Je me sens responsable avec ton bras. Merci, c'est gentil. Vraiment. De rien, c'est normal. Puis tu vois, là, je vois que ma mère, elle te kiffe. Ça me fait vraiment plaisir ce que tu me dis. Je savais pas comment t'allais le prendre quand elle m'a dit qu'elle t'avait demandé de partir. Tu plaisantes? C'est moi qui ai pris l'initiative. Vous avez besoin de votre espace et moi du mien. On va pas se la jouer à famille recomposée, comme dans une mauvaise comédie américaine. Tu sais, Lolo, t'es le bienvenu. Tu viens quand tu veux, on touche pas à ta chambre et tu gardes ta clé. Trop sympa. Lulu, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Enchanté. Merci.
Ah, vas-y, Lulu, prends le gros. Ça, c'est bon pour toi, là, le carton ouais. Avec les escaliers, c'est du cardio vas-y. Pur. Non, attends, j'y apporte, rien. Tiens-nous juste la porte. Ça va aller ? Ouais, on est jeunes. Merci. Ah, merci. Ouais, merci pour l'aide, vraiment. Merci. Ouais, merci beaucoup, yes. Ouais, merci. Hop là Lolo. Bon, c'est bon, il y a tout, là. Oui, merde, mon ordi. Attends. Ma sacoche noire, là, je crois que tu as laissé ma voiture. Ah bon? Sur le siège de devant, non? Oh, merde. Merde. Excusez-moi, vous n'avez pas vu quelqu'un filer avec une sacoche noire d'ordi? Non. Vous êtes sûr? Bah oui, sûr. Bah dites que c'est moi qui l'ai volé aussi. JR, on l'a trouvé ton ordi. Oh. Eh ben voilà, t'es content? C'est pas un arabe qui te l'a volé ton cartable? Ça va, j'ai juste posé une question, j'avais pas la peine d'appeler les Nations Unies. Ça devient ringard le troisième, hein. T'as plus que des ploucs. Ouais, plouc toi-même. Pardon? Non, rien, non. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Quelle peur j'ai eue. Il y a toute ma vie dans cette sacoche. Il y a mon nouveau programme dedans. C'était quand même un double. Oui, à la banque, au coffre. Mais celui-là, j'ai fait 2-3 modifs qui devraient leur plaire. Cool. Bon, ben nous, on y va. À plus. Ok, à plus. Ah, merci encore, hein. Tiens. Merci. Le garçon m'a vraiment bien aidé cet après-midi. Lolo m'a appelé, il s'est fait un peu mal au dos. Ah mince. Je crois que j'ai été un peu dur avec lui l'autre jour. Il avait l'air en pleine forme. Ouais. Tu sais, il est avec son pote, ils se marrent bien tous les deux. Ouais. C'est mieux qu'il soit pas toujours dans les jupes de sa mère. À un moment donné, j'ai cru qu'il faisait un petit complexe d'Oedipe. C'était déjà fait mal à la côte quand tu lui étais tombé dessus, et là, le dos, pff, il est tellement fragile. T'es toujours inquiète pour lui. Un peu, ouais. Tu vas me manquer. Tu rentres quand de Milan? Après demain soir, c'est très court. Oh non, c'est trop long. Tu vas me manquer aussi. Regarde. Oula. Oula, qu'est-ce que tu me fais là? Non. Allô, ma chérie, ça va? Alors, c'est comment la Scala? Oui. Ah bah oui, si tu finis plus tôt, rentre demain matin. Mais moi, je serai pas là, hein. Mais non, tu sais, j'ai mon fameux rendez-vous, là, avec le grand patron de la banque. Oui, c'est demain, à 8h du mat. Bah, te presse pas? Oui, prends un vol plus tard. Ok. Je t'embrasse, mi amor. Amore mio. Oui, c'est ce que je vais dire. Bonjour, monsieur Dutertre. Bonjour, monsieur Dutertre. Bonjour, monsieur Dutertre. Très heureux de faire votre connaissance. Non, tout le plaisir est pour moi. Je suis très fier de vous présenter mon nouveau logiciel qui, une fois mis en route, se connectera à la totalité du système informatique du Crédit Rural de France. J'y travaille depuis presque 20 ans. Et je crois que vous n'allez pas être déçus. D'après mes simulations, vous allez gagner de 10 à 20 microsecondes par ordre passé. Le gain se chiffre en millions par jour. Oui, en millions d'euros par jour. Mais de rien, je suis très heureux de contribuer au succès du Crédit Rural de France et de ses actionnaires. Quoi? Un génie? Non, je suis juste un passionné. Appelez-moi Jean-René.
Regarde, il se loupe. Where are you from again? Slovakia. Oh, I love Slovakia. But he never got a chance to see her again. The man really went to hell and back. There is this famous Churchill line you probably know, or maybe not. If you are going through hell, keep going. That's his life. But how can someone have such bad luck? It's so unfair. He must be so lonely after what happened to him. Yes, he's staying here because he doesn't have a place to sleep. Even if in exactly 8 months, he will become the richest man in France. But until then, I think all he wants right now is a friend. The warmth, the touch, just waking up next to a woman or two. Jean. Jean-René. Réveille-toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est qui? Tu dégages, je veux plus te voir! Violette! Mais vous êtes qui? Violette! Attends, Violette, mon amour. Attends. Mon amour, attends! Ne touche pas! Marius, are you okay? Marius, c'est pas qui sont ces personnes? Dis-leur de partir. Get dressed! Attends. Lâche-moi. Mon amour, je te jure, je sais pas comment elles sont arrivées dans notre lit. Ta littérature de route pervers, là, hein? Calme-toi. C'est des fringues de plouc! We're so sorry, we just wanted to be nice. We wanted to help. You had such a tragic life. Tragic life? Mais qu'est-ce que t'as été leur raconter encore, hein? Que t'avais été entre la vie et la mort, que tu relativisais. Moi aussi, je relativise. Mais c'est la première fois que je les vois. Marius, we're so sorry. We didn't want to cause any trouble. Get out! Non, mais tout ça est ridicule. Ouais, c'est ridicule. T'étais tellement bourré, tu te souviens pas de les avoir baisés, c'est ça? Attends, mon amour, attends. Violette. Ne me touche pas! Violette! Mais comment peux-tu imaginer que je puisse être intéressée par deux grandes blondes de 20 ans? Enfin... Ah! Alors c'était ça, hein? Prends ton temps, ma chérie. Prends le prochain avion. J'ai un rencard hyper important à 8h. Oh putain, 8h20! Oh putain! Ah non, faut que j'aille. C'est trop important, j'ai rendez-vous ouais. Il y a 20 minutes. C'est le rendez-vous de ma vie. Faut que j'aille. Mon amour, attends. Je reviens. On va comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est pas passé, il s'est rien passé. Lâche. Je les connais pas. Je les connais pas. Je t'aime. Tout à l'heure. Moi, je t'aime pas. Non, je t'aime pas. Je t'aime pas. Violette, faut y aller, mais je t'aime. Je reviens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai perdu les clés de chez Lulu. Et on était un peu. Enfin, j'étais un peu bourré hier soir. Mais c'est quoi encore cette histoire de clé? Et puis les deux filles, hein, dans mon lit, avec Jean. Les deux filles? Je sais pas. Enfin, ah, mais si, non, elles étaient avec moi. Non, je te jure, c'est moi qui les ai ramenées hier soir. Elles ont dû aller aux toilettes et se tromper de chambre. Se tromper de chambre? Tu te fous de ma gueule? Mais c'est dingue, ça! Tu le couvres, c'est ça? C'est solidarité entre mecs? Ça passe avant ta mère? Mais pas dans cet état, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Tu l'amènes aux fêtes parisiennes, il a jamais vu de mannequin de sa vie. Mets-toi à sa place. C'est comme si c'était un petit gamin qui découvre un grand magasin de jouets. Il comprend pas. Je croyais qu'il m'aimait. Oh là, faut toujours que tu sois dans le mélodrame. Tu pensais quoi? Que vous alliez finir vos vieux jours ensemble? En charentaise? Ouais. Je suis tellement naïve, j'y ai cru. C'est chiant quand tu perds ton humour. Non, ça me fait mal de te voir comme ça. J'aimerais tellement que tu rencontres un mec bien. Ça changerait ta vie de merde.
Réponds pas. Violette, c'est moi. Les filles dans le lit. C'est ton fils qui les a mises. Je te le jure sur ma vie, je t'aime, Violette. Ah, Jean-René, grouille un petit peu, enfin. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fous, Pierre? Je t'attends depuis des plombs. Ah, j'ai eu un petit contretemps. Je vous présente Monsieur Dutertre, directeur général du Crédit Rural de France Europe. Il s'est déplacé spécialement pour la mise en service du nouveau système. Vous êtes très en retard. Mais tout le plaisir est pour moi. Je suis très fier de vous présenter mon nouveau logiciel qui, une fois mis en route, rejoindra la totalité du système informatique du Crédit Rural de France. Le code, Monsieur Dufour. Je crois que vous n'allez pas être déçu. J'y travaille depuis presque 20 ans. Et d'après mes simulations, vous allez perdre plus de 10 secondes. Gagner. Vous allez gagner de 10 à 20 millisecondes par ordre passé. Ouais, tout le plaisir est pour moi. Les gains en temps se chiffrent à plusieurs millions par euro. En plusieurs millions d'euros par jour. D'euros. En plusieurs millions par jour d'euros. Enfin, je suis très heureux de contribuer au succès du crédit et de ses actionnaires ruraux. Un rural des ruraux. Oh merde. Mais c'est pas possible. Quoi? Un petit problème, rien de bien méchant. Pourquoi c'est pas possible? Quoi? Complètement bloqué. Mais éteignez, ouais, mais réinitialisez l'ordinateur. Non, c'est ce nous, c'est pas possible. Vous êtes sûr? C'est pas possible! Appelez-moi le service technique immédiatement pour qu'on applique le protocole d'urgence! Mais du four, c'est quoi cette histoire? Arrêtez-le! Arrêtez-le! Rien ne tu réponds pas, mais qu'est-ce que tu fous? Tu baises encore? C'est pas possible, depuis que t'as rencontré ton grec, tu m'ignores. Il s'est passé un truc, Jean-René, je l'ai surpris avec deux putes dans mon lit. Alors là, je vais à la pharmacie, je vais prendre des antidépresseurs, des calmants, enfin tout. Rappelle-moi. Au polonium, c'est lui qui m'a mis du poil à gratter partout. Il m'a drogué à ta soirée caritative. Les filles dans notre lit, c'est lui, c'est tout lui. Il m'avait mis un D, après un C, puis un B. Ça l'a rendu fou qu'on s'aime autant. Il a détruit ma vie. Il a mis un verre, il a contaminé mon programme. Je te jure, je vais le tuer.
me tuer? Tu crois que ça va arranger tes affaires et avec ma mère et avec ton boulot? Franchement, du poil à gratter, mais t'as quel âge? Y a pas d'âge pour le poil à gratter. Écoute, je ressens ta détresse. Et j'ai un deal à te proposer. Moi aussi. Laisse-moi remonter, espèce de connard de merde! Dis pardon! Non, je t'emmerde, je dirai jamais pardon! Lâche-moi! Je vais t'attacher! Jean-René Brave, ne vous fiez pas à son nom. Après avoir été interpellé pour dégradation de biens et agression, Jean-René Brave semble bien être l'auteur du fameux vers informatique « Eat my shit, you capitalist pig », traduction littérale « Mange ma merde, toi cochon de capitaliste », qui est responsable de la fermeture complète du Crédit Rural de France, l'un des plus importants groupes bancaires français. Jean-René Brave ne serait autre qu'un cybermilitant et aurait infiltré le milieu banquier en se faisant passer pour un gentil, ou plutôt devrais-je dire un brave informaticien de province. Comme d'habitude dans ce genre d'affaires, les médias en ont rajouté. Il ne s'agit pas de cyberterroristes chinois, russes ou basques, comme certains de vos confrères l'ont annoncé. Ouais, c'est grâce à moi. Hein. Je voulais d'ailleurs remercier tous nos clients qui n'ont pas cédé à la panique et continuent à nous faire. J'ai aucune connexion avec les cyberterroristes. Mon ordinateur a été piraté à mon insu. Quelles preuves pouvez-vous apporter pour soutenir cette thèse? Avez-vous la possibilité de remettre le système en marche? Donnez-moi 48 heures, les mots de passe administrateurs du système et un ordinateur connecté au Crédit Rural de France, s'il vous plaît. Patrick. Il y a le médecin qui est là pour refaire le plâtre. Oh putain. Monsieur Brave, s'il vous plaît. De quel groupe cyberterroriste faites-vous partie? Êtes-vous en rapport avec Assange ou Snowden? Je suis informaticien, mon identité a été validée, je me fais passer pour personne. Travaillez-vous pour un groupe bancaire chinois? Non. Pour qui travaillez-vous? Personne. D'où vient le virus? Monsieur Brave, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait là, ce tocard là? Psychose paranoïaque. Il accuse Lolo d'être responsable de tout. Tu te rends compte, un cyberterroriste. Ah, il cachait bien son jeu, hein, ton bouffeur de tarte. Ouais. Plus Lolo m'en veut, il est parti. Il dit que je ramène que des tarés à la maison. Il sent plus en sécurité ici. Mais pourquoi il pète tout sa câble? C'est vrai que t'as pas de bol, hein, franchement. Non. Puis je t'ai pas dit, mais tu sais, Lolo s'était pris le coude de JR dans les côtes et depuis il avait mal. Il m'a avoué aujourd'hui qu'il a un bleu au pancréas et que ça pourrait dégénérer en cancer du pancréas.
Ça y est, tout remarche. Bébé. Jean-René. Alors, j'ai beaucoup de temps libre. En même temps, j'ai tout le temps envie d'être avec lui. Je suis en train de tomber complètement amoureuse. Et puis, j'apprends plein de trucs. Comme par exemple, est-ce que tu savais que clitoris, ça voulait dire petit mot en grec? Clitoridia. C'est joli, non? Oh ben non, ça va pas. À chaque fois que je te parle de ça, qu'est-ce que tu fais la gueule? Non, c'est pas ça. Je sais pas. Mais pourquoi tu le rappelles pas? Ah bah... Comme tous les autres, hein, il a littéralement disparu. Il a changé de portable, le mail, il répond pas. Bah, je peux demander à ma nièce. Clémentine est la meilleure amie de sa fille. Elle sait forcément où joindre. Ah, non, c'est pas une bonne idée. Mais dis donc, Lolo, il est de nouveau avec Audrey? Apparemment, mais il habite toujours à la maison. Bonsoir, Violette. Ah, bonsoir, Annabelle. Bonsoir, maman. Ça va, ma chérie? Arrête de me questionner. T'es vraiment intrusive. Putain, je l'avais. On y va? J'ai toujours ressenti la nécessité d'exprimer mes douleurs dans mon travail, d'une manière directe et brute. Tout avait commencé par une blessure accidentelle à la côte. Une blessure? Oui. Initialement, l'arme était un coude. D'où vient votre inspiration? De la vie. De ma vie. C'est un projet auto, bio, graphique, que je porte en moi depuis que je suis tout petit. C'est vraiment très intéressant. Oui. Très. Les parapluies de la mort. C'est vraiment malade, ce Lolo. T'as raison, hein. Je me demande même s'il est pas encore plus chiant que toi. Ah non, maman, ça n'a rien à voir. Lui, c'est un vrai psychopathe. Comment ça? Vas-y, dis-le. En échange de quoi? Tu annules ta dette. C'est bien, pas mal. Ok, vas-y. Je viens de recevoir un texte de ma sœur. Clémentine a récupéré le numéro. Je te l'envoie. Ah non, oublie. Au tard. Violette, faut que je te parle. Bien. Quand Jean-René disait que tout ce qui vous était arrivé était de la faute de Lolo, bah si, il avait raison. Ça va pas. Et le mec, là, qui a pété un plomb il y a 10 ans, il disait pas que Lolo avait quelque chose à voir avec tout ça? Bertrand? Et Ludo? Et Gary? Gary? Ouais. Mais Lolo avait à peine 7 ans, tu vas pas me dire que c'est à cause de Lolo qu'il a déménagé en Thaïlande sans laisser d'adresse, enfin. Et ça le va. Mec, là, que t'as acheté parce qu'il te feutrait tous tes pulls en cachemire? Maman, j'arrive. C'est pas possible. Bon, écoute, tu me disais que Mathieu était un mauvais père parce qu'il laissait Lolo devant l'école pendant des heures à attendre. Des heures? Eh ben, tu sais pas ce qu'Annabelle m'a dit? Qu'en fait, Lolo, il se cachait. Quoi? Lolo se cachait. Et même qu'il avait dit à l'époque à Annabelle, comme ça, maman va engueuler papa et puis il partira. C'est Violette. Je voulais prendre de tes nouvelles, ça va? Oui, ça va mieux. Je suis contente. Je pensais passer à Biarritz dans quelques jours. Il paraît que c'est joli l'hiver, non? Ouais, c'est pas mal, mais l'hiver, c'est quand même mieux à Londres. Londres? Ça va? C'est quoi la valise? Si tu veux pas partir, c'est moi qui pars. Je te laisse 3000 sur ton compte et après basta, tu te débrouilles. De quoi tu parles? Il est temps que tu te prennes en main. Je pars. Et tu craques, là, calme-toi. Hein. Non, je craque pas, je me casse. Mais tu reviens quand? Tu vas où? Ça te regarde pas. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as tes règles ou quoi, là? Non, j'en ai marre. Enfin, calme-toi, détends-toi, là, regarde, t'es toute tendue. Hein? Laisse-moi partir. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il y a, là? Ça allait très bien entre nous jusqu'à maintenant. Je t'emmerde, tu veux que je parte, c'est ça? Ouais.
Tu pars, puis dès que j'ai un nouveau mec, tu reviens et tu fous tout en l'air. Mais de quoi tu parles? C'est pas de ma faute si tu sors qu'avec des cinglés, hein. J'ai lu ton journal. Mon journal? Y a tout dedans, tout ce que t'as fait, tu les as tous rendus dingues. Ah, le journal, ah non. Ouais, non mais ça c'est conceptuel. C'est pour mon nouveau projet. Fiction biographique. Oh. C'est n'importe quoi en fait. Je te crois plus. C'est à cause de toi que je suis toute seule depuis toutes ces années. Non, t'inquiète, y en a bien 50% qui sont partis juste parce que t'étais chiante. Merci. Tu rejoins qui, là? Hein, encore un de ces dames dont je vais devoir te débarrasser, c'est ça? Ça va pas, t'es dingue, hein? Jean a raison, hein? Jean-René? C'est lui que tu vas rejoindre, c'est JR? T'as oublié qu'il a essayé de me tuer? C'est un fou dangereux! Un pervers narcissique! Un sociopathe égocentrique! Il va te couper en morceaux et il va te manger! C'est ça que tu veux? Et c'est pour lui que tu me quittes? Mais je te quitte pas. Je coupe le cordon. C'est facile maintenant. Me quitter comme ça alors que t'as toujours tout fait pour m'attacher. Tu te souviens pas? Quand tu me disais tous les soirs que j'étais l'amour de ta vie? Mais t'es mon fils, c'est ce que les mamans disent à leurs petits garçons, enfin c'est... Mais moi j'y ai cru. J'y ai cru, maman. Je suis désolée, je suis désolée. Je pense que j'aurais pas dû. Non mais... Attends, regarde. Regarde, je t'explique. On repart de zéro, d'accord? Je sais, j'ai déconné. J'étais immature, mais je ferai plus jamais des trucs comme ça. C'est des trucs de gamin. Je sais que je t'ai fait souffrir. Et... Mais maintenant, c'est bon. J'ai changé. J'ai mûri depuis octobre. J'irai habiter dans un autre quartier. On se verra de temps en temps, genre le dimanche. J'irai voir un psy. Mais là, c'est bon, pouf, le cordon, il est coupé. Je me sens cool. Je vais y aller, alors. Tu vas vraiment me laisser comme ça tout seul, maman? Alors que je vais si mal? Et que je souffre? Tu sais que si tu pars, je vais me suicider? Maman? Mes œufs mouillettes. T'installes à Londres? Maman, je viens 3 jours. Ça, c'est que pour 3 jours. Oui. Dommage. Allez, un taxi. On va déposer ta petite valise. Quand ils ont découvert que j'avais décodé ce verre informatique en moins de 48 heures, ils m'ont engagé tout de suite. Je suis passé direct de la maison de repos à la City. Regarde-toi. En quelques mois, t'es plus du tout le mec naïf qui débarque de sa province dont je suis tombée amoureuse. T'arrêtais pas de te moquer de moi. Non, je trouvais ça adorable. Mais là, t'es en train de devenir un vrai requin de la finance, hein. Je sais pas si ça va marcher. Bah arrête, Violette, je suis toujours le même. Mais tu vois, on a croisé plusieurs SDF et t'as pas donné un centime. Non, je les ai pas vus. Attends, j'ai une petite envie, là. Ouais, moi j'ai une grosse envie. Non, non, faut que j'y aille. Attends. Oh. Tu te rappelles où c'est? Oui. Dis donc, qu'est-ce que c'est grand! Bonjour. Sabine, je t'ai déjà dit de pas te balader comme ça. Elle a juste les clés au cas où. Elle a dû avoir une fête hier soir dans le quartier. Bien sûr. Sabine, tu me préviens quand tu dors ici, ok?